Good morgen, allez, Iden, les sutres aujourd'hui, le Nishmat, Machlouf, Micha, Ben Masouda, Nachman Yosef, Ben Nachum, Avram, Chayin, Orban, Ben Fortuné, Mazal, Dov, Ben Yehudit, et Nissan, Ben Mafret. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles, nous étudions Maseret Tamid, Perek Dalet, Mishnah Alef. Lo hayu koftin et atale, et la me'akdin oto, mi shezachu ba'evarin, o chazin bo. Vekar, haïta, akedato. Rosho, la darom, ou fanav le ma'arav. Ashochet, omed, ba mizrach, ou fanav le ma'arav. Shel Shachar aya nishrat al keren tzfonit ma'aravit al tabat ashniya. Shel ben arbaim aya nishrat al keren mizrachit tzfonit al tabat shniya. Shachat ashochet vekibel amekabel. Ba'alo le keren mizrachit tzfonit venoten mizracha tzafona. Ma'aravit deromit venoten ma'arava daroma. Shadam aya shofech al yesod ha derom al yesod deromit. On commence concrètement à faire la shrita du tamid. Dans le grec précédent, on avait tiré au sort qu'allait faire le korban tamid, après on avait vu la vodot de la préparation du misbéach hazav, de la menorah, dans le echal. Ils avaient ouvert les portes du echal, donc du coup, c'était le feu vert pour commencer à faire la shrita du korban tamid. Et la Mishnah, maintenant, chez nous, commence à nous préciser. Dans ce pérec, on va apprendre comment concrètement on faisait la shrita du tamid, comment on faisait monter les membres. Comme on disséquait l'animal et on faisait monter les membres sur le misbéach. Et la Mishnah m'enseigne, pour rappel, on avait appris dans la Mishnah bête du Mishnah précédent, du Perek précédent, que la Shrita, il y avait bien sûr une personne qui faisait la Shrita, une autre personne qui réceptionnait le sang, et il y avait, à part ça, toute une bande de Kohanim qui allait ensuite récupérer les membres, chaque membre, et monter en belle queue leu-leu, comme ça en lignée. Chacun allait monter sur le misbéar pour apporter un des membres du korban tamid, plutôt deux membres du tamid, ça marchait toujours par deux. Il y avait les deux mains, il y avait la tête et le pied, il y avait comme ça plusieurs. Chacun montait avec une part conséquente. Mais pour le moment, on va s'intéresser à la shrita du korban tamid. Et en l'occurrence, on a besoin de tous ceux qui ont été désignés pour apporter les membres, parce qu'on a besoin d'eux pour faire la shrita. Comment ça? La Mishnah m'enseigne. L'Ohayu Koftin Atatale. Il n'attachait pas le talé, il ne l'attachait pas. Kafout, c'est plutôt le ligoté, c'est le bon mot. C'est ligoter, ligoter les mains et ligoter les pieds en même temps. On ne faisait pas comme ça pour faire le korban tamid, parce que tel était l'usage païen de faire la shrita pour la vodazara, d'attacher les mains et les pieds. Donc du coup, nous, il fallait surtout, il fallait bien se distinguer d'eux. Donc on faisait pas on les ligotait pas de la sorte. Mais qu'est-ce qu'on leur faisait? Et là, mais akdinoto. On le faisait, on était oked auto. Oked auto, c'est délicat. Il y a deux interprétations au mot oked. Le Barthénois nous rapporte, c'est qu'en fait, c'est une sorte de... J'ai pas de mot français pour bien désigner, mais c'est on attache la main et le pied. En fait, c'est aussi une manière de ligoter, mais en tout cas, c'est plus qu'il est bien fixé. Il est apparemment beaucoup plus souple, j'imagine. C'est pour ça que la Mishnah continue en disant « Mishézachou ba'evari mochazin bo » Ceux qui ont eu le droit ensuite de faire monter les membres, eux le bloquaient. Parce que j'imagine que la Keda, lorsqu'on attache le pied et la main ensemble, eh ben c'est l'animal, il est encore trop libre, j'imagine. Ça, c'est l'interprétation du Barthénora. Il y a aussi un petit remez de la sorte pour rappeler la Keda Tisrak. Le Rambam s'est rapporté dans le Tiferet Israël. Il explique qu'en réalité, non, on ne l'attachait pas du tout. Mais juste qu'on le fixait, ils étaient tous là, tous les Kohanim en train de bien l'attraper, et le Kohen qui faisait la Shrita. D'accord? Dans ce cas-là, je pense qu'il n'y a plus de remèze pour la Keda Tisrak, parce qu'Avraham Avinu, il a fait la Keda quand même. Et voilà, donc on a fini maintenant d'expliquer donc qu'on ne l'attachait pas comme l'usage païen, mais plutôt qu'on l'attachait, on lui bloquait un pied et une main ensemble. Et donc, Mishézachou Ba'evarim, les Kohanim qui ont eu le droit ensuite, qui ont été tirés au sort pour ensuite faire monter les membres sur le Mizbeach, eh bien, Ochazinbo, il le saisissait, il l'attrapait bien pour qu'il ne bouge pas. Vekar haïta akedato. Et comme ça était ça. Le mot akeda, je ne sais pas le traduire cette fois-ci parce que logiquement, vekar haïta shrita, c'est ce qu'il veut dire. Peut-être c'est comme ça qu'on le saisissait, qu'on le figeait pour pouvoir le faire la shrita. Pardon. Rosho la darom, ou fanav le maharav. Il avait la tête vers le sud et sa face vers l'ouest. Vous devez. Il y a un problème, non? La réponse, elle est très simple.
la tête, c'est-à-dire dans le sens de l'animal. Vous rappelez d'abord, on rappelle les sens. Là, on est en direction de l'ouest. Peut-être que je devrais l'écrire à l'occasion ici. Là, on est à l'est. Là, c'est le nord. Et là, on est au sud. La Mishnah me dit, tu le mets dans cette direction-là, du nord vers le sud, donc la tête vers le sud, et tu lui tournes la tête vers l'ouest, vers le Echal, en fait. Le principe, il est simple. C'est que on a peur que l'animal va déféquer en route. Et c'est un zilzoul de déféquer en direction. En théorie, on devrait le prendre dans ce sens pour le mettre. C'est la Mishnah dans Yoma, elle explique ça longuement. On devrait le prendre dans ce sens directement, puisqu'on le fait devant Hachem. Devant Hachem, c'est concrétisé, c'est incarné par le Kodesh HaKodeshim. Donc, on te demande de le faire devant Hachem, tu le mets la tête devant Hachem seulement. Si tu vas le mettre dans ce sens, il arrive que l'animal, il va faire, d'accord, surtout s'il a peur de se faire égorger en plus. Et du coup, on ne voulait pas qu'il y ait tout son arrière qui soit près du Mizbeach, mais on préfère l'avoir vers l'extérieur, vers le nord. Donc du coup, on l'attache, on le prend dans ce sens, et on le fait tourner la tête uniquement vers le Echal, bien bloqué par terre. Ashochet, celui qui va l'égorger, Omed Bamizrach, lui-même, il se tient à l'est, donc il est de l'autre côté. Ufanav, les Maharav, et il a sa tête aussi vers l'ouest. D'accord? C'est clair? Donc en fait, imaginez que moi, j'ai mon visage vers l'ouest, l'animal, il est comme ça couché devant moi, avec la tête tournée vers vous, et je l'attrape, je suis derrière lui, et je lui fais la shrita. Ok? Donc, Ashochet Omed Bamizrach, celui qui fait la shrita, il se tient à l'est, Upanav le Maharav, donc sa tête, son visage, il est vers l'ouest. Maintenant, là, petite introduction d'abord, pour les Tabaot. On l'a déjà évoqué, vous voyez là, ici dans le dessin, regardez dans la Khoveret, enfin dans le PDF que vous avez reçu, vous avez dans la page du milieu, on a le plan du Beit HaMikdash, c'est ce qu'on a devant nous. Vous allez le voir un peu moins bien dans votre petit écran, parce que là, ça va être assez petit, mais c'est pas grave. Regardez, tout ça, c'est le Mizbeach, d'accord? Sur le côté nord du Mizbeach, il y avait ici ce qu'on appelait les Tabaot. 24, comment dire, 24, des Tabaot, des anneaux. Des anneaux pour fixer le Korban Tamid. Étant donné que le Korban Tamid, pas que le Korban Tamid en réalité, le Tifrat Israël, il précise que c'est pour tous les Korbanot que c'est comme ça. Puisque les Korbanot, il ne fallait pas les attacher. Il ne fallait pas les ligoter, donc ils risquent de bouger. Pour qu'ils ne bougent pas, bon, on s'aidait des cognes pour le bloquer, mais on en avait aussi les Tabaot, qui étaient en fait des anneaux en fer qui étaient plantés par terre, où on mettait l'animal et l'anneau le refermait et le bloquait un petit peu plus. Il y en avait 24, pourquoi 24? Parce qu'il y avait un cas de famille de Kohanim qui se relayait au Beit HaMikdash. On aura l'occasion d'en reparler plus tard. Je crois que ça va être... non, je crois que c'est plutôt Midot où on en va parler, je ne sais plus. En tout cas, il y avait 24 anneaux. Chaque famille qui venait travailler, elle utilisait son anneau. Et parfois, on demandait à utiliser aussi des autres anneaux des autres familles. S'il y avait trop de corbanotes, mais en général, chacun se débrouillait avec son anneau, surtout quand on se retrouvait dans les fêtes, ou dans les périodes de fêtes où il y avait toutes les mishmarot, toutes les gardes des Kohanim, toutes les familles de Kohanim qui montaient tous ensemble pour travailler au Beit HaMikdash. Alors là, il fallait chacun rester à sa place. Et la Mishnah me dit comme ça. Les anneaux entre parenthèses, c'est précisé dans le Porte Noir, c'est Yohanan Kohen Gadol. On a lu dans l'anissime de Hanouka, Bimé Matityahu Ben Yohanan Kohen Gadol. Yohanan Kohen Gadol, c'est un Kohen Gadol qui a, pendant 70 ans, il est resté en place. Et c'est lui qui a instauré ces 24 Tabaot. Alors maintenant, la Mishnah, je dis d'abord, je le dis à l'oral vite fait. Regardez, il y en a 24. C'est 6 fois 4. Il y a des darim de 4, en fait. 4 Tabaot et 6 rangées. La Mishnah va m'enseigner que le matin, tu vas le faire sur celle-ci, et le soir, tu vas le faire sur celle-là. Et la Mishnah me dit ça dans les mots. Shel Shachar, le matin, Hayanishrat al-Keren Tzfonit Maravit. Le matin, tu l'égorgeais sur le Keren, c'est-à-dire du côté du Keren, du coin du Mizbeach. Face au coin du Mizbeach, Tzfonit Maravit, nord-ouest. Donc le nord, il est là, et l'ouest, il est là. Donc, c'est face à ce coin, mais attention, pas directement sur la première Tabaat, sur le premier anneau, mais plutôt Al Tabaat Ashnia, sur le deuxième anneau. Tu dois rentrer un peu plus, tu dois t'éloigner un peu plus du Mizbeach, sur celui-là. Shel Ben Arbaim est le deuxième Korban Tamid de l'après-midi. Tu le fais où? Aya Nishrat, on lui faisait la Shrita,
Al-Keren Mizrachit Tzfonit, sur le face au coin Mizrach Tzafon, Est Nord, donc face à ce coin là, mais où précisément Al-Tabat Ashnia, de nouveau sur la deuxième Tabat. Ouais, c'est-à-dire qu'en réalité, en fait, si. Bon, je sais pas si vous les voyez bien de loin, mais la Tabat, le matin, on le faisait. Finalement, on faisait le Korban Tamid. Toujours le plus proche du Mizbeach, mais pas collé au Mizbeach d'abord. Pourquoi pas collé au Mizbeach? Pas sur la Tabat qui est le plus proche du Mizbeach, pourquoi? Parce que, en fait, tout est du même Pasuk. Le Pasuk qui me dit Shnaim Layom Olat Tamid. Tu feras deux Korban Tamid. Shnaim Layom, deux pour le jour. Pour le jour, face au jour, c'est-à-dire face au soleil. Le matin, le soleil se lève à l'est, donc tu le fais sur la partie ouest. Et le soir, le soleil se couche à l'ouest, donc tu le fais sur la partie est, comme ça tu as toujours le soleil face à toi. Pas trop proche du Mizbeach, parce que le Mizbeach il faisait 10 amas. Il faisait 5 mètres de haut, donc ça fait trop d'ombre quand on est trop proche de lui. On s'éloigne un peu plus, on arrive jusqu'à la Tabat Ashnia. Comme ça on a gagné, qu'on est à la fois face au soleil, on est très proche du Mizbeach, et donc le matin ou soir, ça dépend à l'est ou à l'ouest en fait. D'accord? Donc ça va faire le... Je reprends sur la deuxième rangée. Le matin, c'est là, celle qui est plus à l'ouest, et le soir, c'est celle qui est plus à l'est. La Mishnah continue en me disant « Shachat Ashochet » Maintenant, ça y est, on est tout... On s'est organisé, on a choisi l'anneau, on a mis l'agneau à terre, on a les Kohanim le tiennent bien, et on commence « Shachat Ashochet » Celui qui le gorge lui fera la shrita avec le couteau, en bonne et due forme, comme il faut. Mais qui belle à Mekabel, et celui qui doit réceptionner le sang le recevra. Il réceptionne ce sang. Balo le keren mizrachit tfonit. Et il commence à partir au coin mizrachit tfonit. Est, nord. Celui-là. En fait, c'est simple, on connaît ça depuis Zvachim. Toujours, quand il y a les. On lit tous ceux qui lisent les Mishnah de. Les hommes comme Chal Zvachim le matin après les korbanot. Alors là-bas, on dit toujours, dans la plupart des korbanot, qu'il faut donner Shnaim, Shen Arba, deux qui font quatre. Le principe, il est très simple. Pour ceux qui se rappellent de Zvachim, quand on fait on asperge le sang sur le Mizbeach, il faut l'asperger en général sur les quatre faces du Mizbeach, mais malgré tout, en le donnant sous deux fois. Deux dons qui font quatre faces. Comment est-ce qu'on fait? On se met dans le coin, en diagonale, et on asperge. Et le sang va directement sur les deux coins. Et comme ça, donc, il se met une fois ici et une fois là. Une fois au Keren Mizrachit, Tzfonit. Mizrach, on a dit c'est Mizrach et Tzafon. Est, Nord, donc c'est ce coin-là. Et comme ça, il touche les deux coins. Et après, il fait le tour du Mizbeach. Et il va mettre dans ce coin qui est le. Donc, Venoten Mizrachat Tzafona. Donc, on a dit à l'est et au nord. Au nord-est. Maravit Dromit. Et après, il va. Il donne au Maharav ouest-sud. Là, on est dans la partie sud, dans la partie ouest. Venoten Maharav Adaroma. Et il donne donc, il va au nord-ouest, et après il donne le sang sur les faces nord et ouest. Shiare Adam Aya Shofer Aliesod Deromit. Et les restes du sang, une fois qu'il a fini de verser le sang, eh bien il va le verser sur le Yesod. Le Yesod, c'est le socle du Mizbeach. La plupart des corbanotes, il fallait verser le reste du sang suite sur le socle du Mizbeach et le laisser dégouliner entièrement. Vous avez dans le Mizbeach, on apprendra, vous voyez, si vous regardez de près dans le dessin, parce que là de loin, vous n'allez pas le voir, on aura l'occasion d'apprendre comment le Mizbeach il était construit exactement. Mais vous allez voir qu'en fait, initialement, il doit y avoir un socle de une amas, il rentre une amas, il monte ensuite quatre amas, il rentre une amas, et il remonte encore, je crois plutôt qu'il monte cinq amas, pas quatre. Il monte 5 amas, il rentre encore une fois une amas. Ouais, il est construit comme ça. Vous voyez, ben, le premier socle, ce qu'on appelle le socle, c'est le premier amas qui dépasse des deux côtés et qui rentre. Eh bien, figurez-vous qu'elle ne faisait pas le tour du Mizbeach. Elle était uniquement sur la moitié du Mizbeach, avec un petit peu plus ici. Et même, je crois aussi, un petit peu plus aussi ici. Mais en tout cas, il n'y avait pas cette partie-là. C'est essentiellement ça ce qui nous intéresse. On l'avait appris ça déjà dans Zvachim. Parce que le Mizbeach, il était entre la partie de Yehuda et la partie de Binyamin. La limite entre Yehuda et Binyamin, elle passait bien sur le Mizbeach. Il fallait que ce soit Bechelko Shel Binyamin. Non, sur Yehuda et pas dans la partie de Binyamin, je crois plutôt. Et donc, du coup, il fallait en donner le sang. Il fallait donner toujours le sang là où il y avait un Yesod en dessous. Et ensuite, on versait le reste du sang
sur le Keren Deromit, le Keren Sud. Ici, il y avait le sang, ici, là, on versait le reste du sang qu'on a eu, une fois qu'on avait fini l'aspiration, on versait le sang. Sauf quand on sort du Bet Kodesh HaKodashim, où il faut verser dans ce cas-là sur le Keren à Ravit. Ouais, comme ce qu'on dit dans le Mishnah de Ezo Mekoman le matin, Sharadam Yashofer Lesod Maharavi, ou Sharadam Yashofer Lesod Dromi. Lorsque tu étais à l'intérieur du Echal, tu devais asperger du sang, tu sors, tu mets sur le Yesod que tu rencontres en premier. Lorsque tu as fait le tour du Mizbéar, tu verses sur le Yesod que tu rencontres, donc qui est le Yesod Adéromi. Et c'est ce qui se passe en fait en l'occurrence avec le Korban Tamid, qui est une Ola, tu asperges le sang ici, tu asperges le sang de l'autre côté, et après tu verses le sang sur le Keren. Des remites. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha, Kol Tov, Salam.